Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Killua Queen sur Up Universalis 4, une série dans laquelle on est en guerre contre des gars à Madagascar, je sais pas comment ça s'appelle, pour être honnête, ce qui est pas très très sympa de notre part, hein, quitte à les défoncer, on pourrait au moins connaître leur nom. Alors, on peut faire de la conversion de l'Omwe ou Makua. On peut sans autre, j'imagine, mettre ici, tac, ça, et d'ailleurs, ici ça me fait penser qu'on peut mettre ça, ou enlever ça plutôt, on en a d'autres, peut-être qu'on en a d'autres. Non. Enfin, non. Contrôlons. Soyons. On en a d'autres. Mombasa. Ça rien, Mombasa. Hop. Ici, par contre, c'est intéressant. Puisque on peut le faire, effectivement. Let's go. 37 mois. Devient intéressant. On va aller faire le blocus. Parfait. On ne peut pas leur faire gagner de l'influence, donc on va leur faire perdre de l'influence. Ce qui va nous permettre, a priori, de proposer une mission. Voilà. Alors, les oulémas. Valeur fiscale à Tanga. Alors, ça m'intéresse pas du tout. En plus, les oulémas sont très hauts. Les émirs. L'opinion de Ataïmoro. J'imagine. C'est un nom. Ouais, c'est eux. J'allais dire, c'est un nom malgache, tout ça. Ça me paraît pas mal. On a amélioré les relations déjà un peu avec eux. Non. Les marchands, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Les marchands ou les émirs? C'est un peu égal. J'ai envie de dire les émirs, comme ça. Je sais pas où c'est le B de Camre. Prenons ça pour le moment. Augmentons les relations. On va revenir de là, au cas où, et on va aller chercher ça. On va essayer de le faire avant la fin de la guerre, parce qu'on va générer de l'expansion agressive avec eux, à ce moment-là. Donc on va juste essayer de finir ça avant de finir notre guerre. Ce qui devrait être faisable, je pense. Même si la guerre peut être courte, hein, suivant les jets qu'on a sur nos sièges. Hein. On peut devenir défenseur de la foi. On est sunnites, donc on va peut-être éviter. Ils sont où, les gars? Forcément Makua, tu peux donc aller sans autre les attendre à Makua avec 19%. Ça va pas changer grand-chose. Légalisme, modification production locale dans la contrée de côte centrale des Swahili. Okay. Les Oulema gagneraient 10 de loyauté. Ce qui n'est pas du tout nécessaire. Côte centrale de Swahili, c'est laquelle? J'ai un peu peur que ce soit ça. Ah, je ne peux pas vraiment me permettre de donner de l'autonomie. Bien que, je dis ça en même temps, l'autonomie ne va pas venir en capitale. Par contre, la modification... Non, c'est ça, c'est la modification de production locale. Combien on génère de production locale à Killua? Voilà, donc c'est un vrai problème. Maintenance des états, plus 50%, c'est tous les états ou c'est juste celui-là? Bon, on va regarder, 1,24. Non, c'est juste celui-là. Donc c'est pas a priori énorme. Hein. Très bien. Très bien. Point de mine. Conquête de nouveaux états. Hein? Ok. On n'a pas du tout besoin de revendiquer Kismayo, mais ça ne nous coûte rien de le faire, donc... Voilà, les gens, désolé, il y a eu une coupure, hein. J'ai reçu un coup de fil. Ok, alors, je disais, on en est où? On en est... Ah oui, on veut...
On doit avoir assez de relations avec ceux-là là pour finir notre mission avant de finir la guerre. On va peut-être juste arrêter ici. Invoquer l'accès militaire, comme ça. J'en doute pas. Comme ça, ils peuvent pas passer, ils peuvent pas sortir de leur truc. Ou alors, ils doivent demander eux l'accès militaire, c'est possible aussi. Hein. Ce qu'ils font, purement et simplement. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le faire. On va récupérer ça, on va aller se battre contre eux. Voilà, ça devrait sans trop de problèmes fonctionner. Voilà, alors. Ok. Kalanga, c'est où? Ça doit être ça, oui. Ok. Mais être intéressant, du coup, on pourra baisser l'autonomie après, donc vas-y. Parfait, ça doit être assez gratos. Allez, est-ce qu'on va récupérer des bateaux? Non, on n'a pas réussi à aller stack wipe non plus. Ok, si vous voulez. De toute façon, donc, de toute façon, toujours pas assez de... On peut y aller à vitesse 5, hein, par contre, parce que a priori, c'est bon. Il ouais, n'y a plus personne. Il y a des bateaux, mais on les gère. Voilà, très bien. Ok, et ok. Alors, donc ça, c'est fait. Nickel. On peut revenir de là. Top. On peut cliquer là-dessus si tu veux. Ouais. Voilà qui est fait. Nickel. Plutôt de problème de rebelle. Très bien. On va venir par là. Alors, est-ce qu'on bouffe ces gars-là du coup? C'est la question qu'on peut se poser. Moi je pense pas. Parce que eux actuellement, on est à quoi? Des revendications sur tous ces gens-là dans la région. Ok. Eux, rien. Donc on pourrait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus intéressant, hein, c'est possible. Ah ouais, salisé. Eux, potentiellement, mais on les a pas rendus co-belligérants, c'est ça qui m'embête. Non, ils sont pas plus intéressants. Donc, soyons. Restons simples. On va pas leur demander grand-chose. Une petite trêve, un petit pillage de capital, quand même. Ouais, c'est bien, les pillages de capital, ouais, mais c'est rien. On n'a pas besoin d'argent. Vraiment. Donc on me demande rien d'autre. On va juste taper blanche. Comme ça, tu t'en vas. Nous, on se retrouve ici. J'imagine qu'on va se faire stack wipe. Stack wipe. Black flag. Mais non, c'est pas le cas. Et toi, on fait ça. Tac, on prend tout ton argent. Et on fait ça. Et on peut ressortir. Ah, mais ils n'ont pas les revendications, du coup. Ma Fali. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. On va les ressortir quand même, parce qu'on a vraiment besoin de nos points de mine. Donc, on va faire un petit peu attention. Faisons ça pendant qu'on y pense. Parfait. Et on va sortir ma Fali. Hop, cela m'a failli, merci. Ils seront sunnites en plus, c'est parfait. Génial. Du coup, je suppose que ça va passer aussi. Vous allez protéger le commerce d'Ibar. Vous allez être des transports à m'a failli. Et du coup, m'a failli, effectivement, n'aura pas de revendication a priori. Non, c'est sûr. Mais on va peindre l'île de notre côté en rouge et espérer qu'ils suivent ce qu'on leur dit. Et nous, on a des revendications, si jamais, hein, dans la région. Donc, c'est pas un souci. On peut sans autre faire ça. Ah. Vraiment. Comme ça, se focaliser en admin. Merci. Et abdiquer, non ? Voire une légitimité au moins 50 pour abdiquer. D'accord. Ok, alors, hop. Hop. Ça coûte un peu cher, c'est embêtant. Mais ça va probablement valoir la peine à terme. Pas eu besoin de faire la deuxième fois, du coup.
pourrait mettre les deux, hein. Il pourrait quand même mettre les deux sur le truc. Régner 20 ans, il a pas régné 20 ans là. Ok. Mariage royal de la. Oui, oui. Nos soucis. On peut améliorer un peu les relations avec notre nouveau vassal d'ailleurs. Pourquoi pas. Ok, et puis. Donc là, on est bien. Là, on est bien. On est bien des deux côtés. C'est super. On peut attaquer toi. Non. On peut attaquer toi. Ouais. Il y en a qu'un des deux qui vient. Ben, let's go, du coup. Vu qu'on est bien, on va se permettre de faire venir ça. Toi, tu vas venir là aussi, du coup, parce qu'il nous faudra notre flotte, quand même. Allez, let's go, let's go, let's go. Vitesse 4. Ok, très bien. On peut faire ça, faisons ça, il n'y a aucune raison de ne pas faire ça. L'idée c'est quoi? C'est Imboina ou Menabe. Menabe est quand même plus intéressant pour nous. Voilà, c'est leur capitale par contre. Ok. Bon, on va commencer par ça malgré tout. Ouais, très bien, ça réserve. Juste à quoi ces histoires là. Tu me laisses 4 gus ici. Et vous, vous revenez là. Toi, bon, tu vas attendre encore la fin du mois. On va juste. On peut pas malheureusement te faire un amiral. Combien de temps il nous faut pour faire un amiral? Juste un mois. On va attendre un mois. Juste pour faire un amiral. Été un mois cher, hein, du coup. Ok. On va aller là, c'est ça qui est le plus important, c'est de faire le blocus. Je voulais juste essayer de profiter de pouvoir les défoncer un petit peu si on avait l'occasion. C'est pas le cas. C'est pas grave. J'ai vu avant qu'on avait de la l'astuce de guerre un peu, c'est pas idéal. Je pense qu'on peut sans autre aller dans cette zone-là et puis commencer à assiéger ça. Même aller dans cette zone-là et puis commencer à assiéger ça. Alors, tu vas me mettre deux gars. Qui vont aller là. Et on va espérer qu'il suit le mouvement l'autre. Très bien ça. Voilà même. Parfait. Je veux manger tout ton truc, mais c'est. Non. Ça qu'il faut que je fasse, sinon l'autre il va dire oh, ouais, ouais, pas de problème, pas de problème. C'est un bon traité de paix, c'est un excellent traité de paix ce que vous me proposez là. Je crois que deux suffisent, hein. A priori, hop. Un bateau, c'est cool. C'est mieux de prendre les bateaux, je pense, si on veut faire ça. Voilà, re, les gens, décidément, c'est l'épisode de l'interruption. Ça veut dire qu'il faudra que je fasse de l'édition. Cette fois-ci, on a sonné, colis.
Du coup, on revient sur le reste. Très bien, let's go. On est sur notre guerre tranquillou contre les Malgaches. Ok. Toujours fan, ça. Ah, toujours fan, ça. J'aime vraiment beaucoup courir après les troupes en Open Access. Une de mes grandes passions. Ok, 100%. Bien, on va bouffer tout le monde, hein, dans l'idée. Bon, on va essayer, en tout cas, on va voir ce que ça donne d'un point de vue de l'expansion agressive. On y réfléchira à ce moment-là. Mais, a priori, c'est l'idée. Ça, c'est 6 d'expansion agressive. Je pense qu'on va s'en remettre. 33 de puissance diplo, ok. Acceptable. On a récupéré un petit peu d'un point de vue admin, c'est bien, ça. Bientôt à la tech 4. Ok, et puis ici, on peut passer vitesse 5, hein, y a plus personne dans cette histoire. Et toi, tu peux notamment aller avec ça, protéger le commerce en Zanzibar. Et toi, tu peux aller là, je sais pas, aux F, fondamentalement. Oui, tout à fait, ça que là-bas, tout à fait. Alors, comme ça, et là, on a un peu d'expansion agressive, mais. Au final, sachant qu'on va tout donner à machin, là, ça devrait pas nous poser un problème immense. Donc, du coup, bonjour. Toi, tu prends Antanasui, Antaimoro, hein, arrivé. Tu prends aussi Fiarna, Menabe. Dessus. Ça va, hein, il aura pas une surexpansion extrême. Voilà. Parfait. Tu peux même venir là. Et vous pouvez même venir par là aussi. Je pense que ça peut être intéressant qu'on reste là. Ah, je dis ça. Oui et non, en fait. L'opinion de Monomotapa, on s'en fout. La question c'est Lolo, est-ce que c'est plus commerce ou plus prod? C'est plus ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. C'est un peu tout pourri. Donc OZEF. On va éviter d'aller chercher de l'agitation locale. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, un autre truc. Hop. Voilà. On va envoyer tout le monde hein, par ici, comme ça on peut ici s'entraîner un poil. Même si on aura des rebelles dans la région dont on devra aller s'occuper après, c'est sûr, pour le moment on va comme ça. On peut attaquer tout de suite ceux-là, éventuellement. On va dire quand même à notre vassal maintenant qu'on veut ça, il n'y a plus de raison. Hein, parce qu'il peut à peu près tout revendiquer maintenant. Donc on veut tout ça. Qu'est-ce qu'il a ? Rien revendiqué pour le moment. En même temps, il est un petit peu occupé à bouffer le machin. Je pense qu'il serait intéressant pour nous d'aller direction Adjuran. Avant ça, on peut augmenter à 22. 22, c'est la limite. Donc on va augmenter à 22, aller chercher cette limite. Voilà. Enlève-moi le dernier. Qu'est-ce que vous avez fait? Un là. Et je suis sûr que vous allez en faire un là, non? Où il est le dernier? Okay. Parfait. Un cheval de plus. Voilà. Nickel. Comme ça, on est à notre 22. On n'a plus de réserve militaire, donc on va calmer les choses. Pendant un petit moment, peut-être. Et puis, aller voir ce qu'on peut faire par la suite. On peut faire un truc de marine, augmenter les marins, augmenter les réserves locales, ben pourquoi pas, on ne peut pas. Il faut niveau militaire 6. Ça ne devrait pas trop tarder. A priori, quand même. Est-ce qu'on peut... Ouais, oh, GG.
On peut améliorer lui. On va y aller. Est-ce qu'on améliore le troisième, carrément? Le troisième, je pense que ça vaut la peine. Ouais, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher des points partout. Oui, vas-y. Ok, bien, 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 bien. Je dirais qu'un truc diplo serait intéressant pour nous. Alors, grande question. Est-ce qu'on part sur de la colonisation? Ça me paraîtrait quand même assez correct de partir sur de la colonisation. Parce qu'on a plein de trucs à coloniser ici. Mais en même temps, on veut pas explorer, on veut pas de nation coloniale, pas particulièrement en tout cas. On veut juste pouvoir coloniser les trucs qui sont proches de nous. Ça, éventuellement ça, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais sans plus. Ça, descendre éventuellement. Ça peut être une idée, disons, mais c'est pas forcément une obligation. Exploration, du coup, ça donne un colonisateur, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc tout ce qui est colonial peut être intéressant pour nous. Ça, bon, c'est toujours intéressant, pourquoi pas. Ça, c'est pas très très utile. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pas très très utile. Ça, c'est nécessaire, du coup, hein, c'est une obligation, et ça, c'est pas très très utile. Et au final, ça, c'est pas très très utile non plus. Commercial à terme sera probablement bien pour nous, même assurément bien pour nous. Je pense qu'on va aller de ce côté-là. Pour le moment, je vais partir sur Explo, mais c'est plus par défaut qu'autre chose. Expansion, hein, sera très certainement utile pour nous. Parce que colonisateur, marchand de plus, ok, croissance, bon, ça, ouais, d'accord. Relations diplomatiques, deuxième colonisateur et meilleur marchand. Donc, ouais, ce serait bien pour nous, globalement, ça. C'est vrai. Mais c'est un petit peu le seul. C'est-à-dire que ça, exploration, je suis vraiment pas convaincu. J'ai presque envie de dire, on laisse tomber exploration, on prend commercial. C'est rien, hein, au hasard. Un des diplômes paraîtrait sensé. Parce que, bon, je dis ça en même temps, on est focalisé en admin, on génère des points admin. On pourrait éventuellement partir sur expansion maintenant. Bah, les gens, donc j'interromps juste l'épisode puisque je suis allé trop loin. Il y a eu plusieurs interruptions durant cet épisode, c'était un peu compliqué. Et du coup, au moment où a sonné l'alarme, j'ai pas du tout pensé à arrêter l'enregistrement. Ce qui fait que je me suis retrouvé, et c'est extrêmement fun parce qu'en gros, j'ai plus pensé à arrêter l'enregistrement au moment où l'alarme a sonné. Hein, vous avez vu, elle a sonné il y a quelques secondes, pour vous, une trentaine de secondes. Et ça a duré, et au moment où j'ai regardé mon OBS pour voir à quelle minute j'étais de l'épisode, j'ai vu 22 minutes. Donc c'est juste le réflexe de regarder toutes les 22 minutes. Et du coup, bah, j'ai arrêté l'épisode en me disant c'est bon, j'ai un épisode de plus, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais simplement un demi-tiers de quart d'épisode, enfin un truc un peu bâtard. Donc du coup, je fais cette coupe sauvage maintenant pour la fin de l'épisode. Donc voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, prochaine vidéo dans laquelle il y aura là aussi un petit message de début pour expliquer que c'est le début d'un épisode. Mais enfin bref, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.